Je vous explique un petit peu comment ça se passe. Je me suis coupé les cheveux récemment tout seul dans ma salle de bain avec une tondeuse et je pense que ça va. Et en fait, j'ai proposé à mon frère de lui faire la même. Il a pas voulu. Et du coup, je lui ai lancé sur Twitter un tweet en lui disant pour combien de retweets tu me laisses te couper les cheveux. Il a pas voulu jouer en retweet. Il m'a plutôt dit pour 10 millions de clochettes sur Animal Crossing, je te laisse me couper les cheveux. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On part sur un live rush 10 millions de clochettes. Le rush 1 million de clochettes, déjà qu'on avait mis 8h30 de stream pour réussir à les avoir. Je sais pas ce que ça va donner pour 10 millions. Juste petite précision, on part pas de zéro, hein. Parce que sinon, ce serait trop compliqué, je pense. On part pas de que dalle, on a quand même 2,8 millions de clochettes et on va essayer de monter jusqu'à 10 pendant ce stream. On va pas time travel, on est encore quelqu'un de respectable, on va dire. On a changé un petit peu le look de notre villageois. J'ai essayé de reproduire Dio dans Jojo Bizarre Adventure. Oh, Mokante Kurunoko. Il ressemble plus à Naruto qu'à Dio. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit c'est quoi ce costume de merde de Naruto, mais vous m'énervez. Je le déteste ce lapin, il m'énerve. On va voir un petit peu est-ce que la légende est vraie ou pas. Apparemment, ce lapin est dépressif. On va essayer de faire ça, regardez. Dès que tu quittes son champ de vision. Regardez! Dès que tu quittes son champ de vision, il est déprimé! Quand tu reviens, il feint la joie! Espèce de menteur! Bah regardez là où vous voyez, il y a un zip. Il y a un zip dans son dos. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais ne pas fixer mon dos? Ça me gêne! On va déposer notre argent. On est à 2,7 millions. Maintenant, on va devoir vendre les fruits qui se trouvent sur l'île. Je sais pas combien on va pouvoir en tirer. Puis après, on va partir sur les îles mystères pour essayer de récolter un peu d'argent et pêcher des gros poissons. Chers amis, je vous présente le moule-arbre. Comme son nom l'indique, c'est un arbre qui donne beaucoup d'argent. 10 000 clochettes par sac. En vrai, c'est pas mal, hein. Regardez, là, on va déjà avoir quasiment 100 000 clochettes, hein. On va d'abord aller checker un petit peu les navets. On va voir un petit peu la vendeuse de navets. Il reste 2 minutes. Ah, c'est à midi qu'elle part. Merde, elle est où? Mais en plus, le pire, c'est que j'ai pas assez d'argent sur moi pour acheter. Oh non, 100 clochettes. Bon, on les prend, on prend, on prend. Achat maximal. Ça fait pas beaucoup de navets ça, hein. Time travel? Non, on va pas time travel les gars, on va pas time travel. Bon c'est quoi, on va essayer de voir un petit peu ce que la pêche peut donner mais mais je vais faire quoi avec ces œufs là? Je vais faire des omelettes. Vous le voulez au plat ou Mais j'en ai marre! N'empêche, je suis en train de penser à l'absurdité de ce live parce que je vous rappelle que si jamais j'ai 10 millions et que je les donne à Kevin, j'ai le droit de le coiffer. Ça veut dire qu'en fait, Kevin, concrètement, il est en train de faire payer le coiffeur. C'est lui qui devrait me donner de la thune. Oh non, mais encore un poisson qui me tourne le dos là, mais ça suffit là, les poissons qui me font la gueule. Suis ma canne à pêche avec tes yeux là. Merde. Il me tourne le dos, et il me tourne le dos l'enfoiré. Oh, il m'a encore tourné le dos. Mais allez, c'est parti. Je vais pas time travel, je vais pas time travel, je vais pas time travel, je vais pas time travel. Nix, je time travel, c'est mort. On va pas time travel, on est encore quelqu'un de respectable, on va dire. Non mais attendez, avant de me huer, n'oubliez pas l'objectif. Si jamais on atteint les 10 millions, je coupe les cheveux de Kevin. Et ça, normalement, ça devrait suffire pour que vous soyez de mon côté. Je peux voir un petit peu le cours du navet. 61, merde. On les avait achetés à 100 clochettes pièces, là on est à 61 clochettes pièces, oh là là. Le cours du navet. Oh merde. Bon, bah on continue, hein. Alors là, on est mardi après-midi, hein. Tout à l'heure, c'était mardi matin. J'ai envie de pleurer. Le cours, il est à combien aujourd'hui? On va en vendre 500 et après on va jouer avec le reste, ok? On vend tout, on vend tout. Allez, 200 000 clos-clos! On va remonter dans le temps en tant que Trunks du futur. On va acheter beaucoup de navets une fois et on va essayer de jouer le cours. Et après, si je me foire, bah tant pis. J'ai tellement peur de me foirer. On va faire une plaine de navets. C'est limite de la déco. Elle a, franchement, elle est millionnaire pour cette en fait. Là, cet après-midi, elle vient de gagner 2 millions. Balance-moi le cours du navet, mon ami. Sois le bienvenu Henri, qu'est-ce qui t'amène? Le cours du navet! 150 clochettes pièces, alors qu'on a acheté à 97 clochettes pièces. Si on vend pas et qu'on tente l'après-midi, on peut avoir un big stonk en fait. Le cours du navet. Ouais. Alors, est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on joue avec le feu et on va sur samedi les gars? Est-ce qu'on part sur samedi?
Ça fait 6h30 de live, j'ai tout gâché. Qui a un cours du navet élevé? Ça y est, j'ai plus de race. Je vais venir mendier chez les abonnés, putain. Henri, j'ai quelqu'un à 556. Attends, what? Attends, mais encore mieux, il y a un mec à 594, les gars. Marius le sauveur avec un cours du navet à 594 clochettes. Go tout vendre chez lui. Marius le sang de la veine. Wow, 594 clochettes, les gars. On va les avoir, les 10 millions, hein. Vous le savez si on le fait ça. Oh là 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 là. En fait, je suis en train de me dire, les gars, j'ai fait de la merde, faut assumer, non? Franchement, je pensais avoir plus d'honneur que ça, franchement, je pensais. Mais on est arrivé à un stade où on a trop joué avec le feu. Oh, Marius. Marius, merci beaucoup. On était pas à 7,8 millions tout à l'heure? Dans le compte en banque, on était à 7,8 millions. Donc là, techniquement, c'est gagné, en fait. Ça ne serait pas arrivé sans Marius. Marius le Messi. Oui, oui, on a un peu triché. On a un peu triché, mais quelque part. Si c'est pour couper les cheveux de Kevin. Est-ce que c'est grave? We are the champions, my friend. Après tant de péripéties. 10 millions! Kevin, t'es mort! On va donner les navets à Marius comme remerciement. Mais prends mon argent, Marius. Oh non, Marius, il est trop bon. Il est trop bon, il veut pas prendre ma thune. Prends-la! Si tu veux pas la prendre, moi je m'en vais en fait. Tu gardes ma thune, voilà. Et moi je m'en vais, hein. Alors le tweet de Kevin, qu'est-ce qu'il nous raconte? Allô? Ouais. T'as triché, j'en ai rien à battre, t'as triché comme un porc. Et alors, est-ce qu'on avait dit qu'on avait pas le droit? Est-ce qu'on avait dit qu'on avait pas le droit? Est-ce qu'on avait dit qu'on avait pas le droit? Mais on doit tourner, tu veux que j'ai une tête de déglingos? Franchement, je vais me faire plaisir à couper les cheveux de Kevin. Je sais pas encore quelle coupe je vais lui faire. On va pas non plus le massacrer parce qu'on a quand même des tournages, mais on va quand même lui faire un truc bien sympa. Hey. Alors, on part sur quoi? Moi, juste, j'aimerais avoir une coupe, au moins que je puisse tourner de face. Devant, on va faire en sorte de lui faire un petit dégradé, tu vois, vraiment sympa. Et après, derrière, on va lui faire une flèche d'avatar. Je vais lui faire une flèche, et après, on va voir avec le chat, on va se concerter pour voir un petit peu ce qu'on lui fait en supplément de la flèche, ok? C'est professionnel, hein. Par contre, tu m'en mets beaucoup, beaucoup, là, quand même. Hé hey. Donc en gros là on est avec un rasoir classique et on va utiliser un cran justement, on va le mettre au maximum au début pour justement faire ça doucement sur les côtés. Pourquoi tu rigoles? Non mais attends, t'inquiète, t'inquiète. Mais dégage, t'es pas mon frère. Mesdames et messieurs, la flèche. Il faudrait que cette flèche soit derrière sa tête. Attends. Ou tu rases autour. Non mais attends, Henri. Ah non, c'est très important. Est-ce que la flèche, à l'intérieur, il y a des cheveux, ou est-ce que c'est une flèche vide? Il y a des cheveux à l'intérieur. Ok. Wouah. 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 Je remets le cran. Hein. Du coup, on lui fait un V dans la nuque. Et je ne comprends pas le truc en fait. À la base, la destruction devait être un peu structurée. Ça devait respecter certaines règles. J'ai l'impression que c'est parti en couille. Tu vois, genre, avant le live, on s'était dit 2-3 trucs, tu vois, sur comment ce serait bien qu'il me coupe, comment il peut me saccager, mais sans trop me saccager non plus. Le mec n'a rien respecté. Wouah. Attends, l'autre côté. Attends, l'autre côté. Ah ouais. Ok, je fais juste un tour comme ça pour que les gens y voient. Fais un tour. Ok, de face. De dos. Putain, si je reste comme ça à vie, de profil, on dirait pas trop qui m'a foiré, tu vois. Toutes mes vidéos, je les fais comme as. Comment ça va YouTube? Abonnez-vous. N'hésitez pas à venir suivre la chaîne Twitch, les liens sont dans la description. A très bientôt pour un prochain live. Putain. Peace.